Bonjour bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le 19e épisode de Don't Starve Shipwrecked. Dans l'épisode précédent, c'était il y a longtemps, on avait fait pas mal de trucs, dont la trouvaille d'un trésor, et on s'était préparé pour quelque chose apparemment, d'après le titre de mon ancienne vidéo, mais je dois vous avouer, je me souviens absolument pas, donc bon... Ça fait un moment que j'ai pas eu l'occasion de faire une petite session de Shipwrecked tranquillement. Et après un bon épisode d'Isaac, je me suis dit, tiens, allez, c'est parti. Bien, il y a moyen qu'il y ait quelques mises à jour entre temps, je sais pas trop. Hein. Bon. Alors, ouais, une île avec des abeilles, ça me rappelle quelque chose. Je me souviens que j'avais trouvé une bouteille à la mer il y a pas très longtemps et qu'il y en avait une autre, ça je m'en souviens par contre, hein, qui traînait ici. Et que je voulais aller chercher, du coup, si je me souviens bien du fonctionnement du brouillard. Je suis où? Ce serait bien de pouvoir s'orienter mieux que ça. On est là, c'est ça. Donc ouais, pour atteindre ça, je dois aller plutôt par là. Donc ouais. Ok, bon. Du coup, je sais pas du tout ce que je veux. J'ai une touch sail... Je pense que j'étais prêt à faire ce que je voulais, mais après, comme je vous dis, j'en ai aucune idée. Hein. J'ai plein de trucs. Est-ce que j'ai du bois? Je sais que j'ai eu pas mal de soucis de bois pendant très longtemps. One man band, spear gun, briquet, pas des trucs dont je peux me débarrasser, les pétales. J'ai eu quelques soucis de santé mentale, si je me souviens bien. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas. Ce que je voulais faire. Oui, mon bateau déjà, il est là-haut. Ok. S'il y a moyen de récupérer quelques fleurs avant de me barrer, ce serait cool. Sinon, c'est parti. Let's go. Essayons de trouver ce trésor. Ah, des fleurs, parfait. Et allons-y. Maintenant, j'ai une nouvelle chose. Voile. Voilà. Ah oui, mon bateau était un peu en sale état aussi. C'est peut-être ça que j'essayais de régler. Ouais. Bon, je sais plus comment... Boat Repair Kit. Ah bah, c'est vrai qu'on l'avait... On l'avait fait, le truc, donc c'est très bien. On en est où? 200 bars, c'est nickel. Parfait. Super. Et on a de la seaweed qui nous attend. Smoke seaweed every day. Cette blague m'avait manqué. Bon. C'est bon, il y a une bouteille juste là. Ah, une bouteille vide, donc s'en fout. Je sais que je l'avais balancé au cas où ça redevenait une bouteille normale. Enfin, je sais pas comment ça marche. Bref. Prenons un peu de seaweed. Je sais pas si on a de la bouffe en réserve, j'en ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on a vraiment plus rien à manger. Donc ouais, c'est bien de se barrer quoi. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'attaque? What the fuck? Ah, ce truc vous permettrait d'avoir des gears, donc ça peut être sympa. Hein. Par contre, c'est sans doute dangereux. Où est-ce que j'ai une arme? J'ai pas une arme. Bon, j'ai un spear gun. J'espère que ça marche comme ça. Intéressant ce machin, je l'avais jamais vu. Hein. Ouais, je peux attaquer de loin, c'est peut-être mieux justement. Alors, par contre, machette, c'est sans doute mieux que la pioche. J'ai pas d'armes, sérieusement. Ces attaques ont l'air assez coordonnées. Donc, je devrais pouvoir l'attaquer entre les deux. Trois coups, ça m'a l'air bien. Plus, ce serait encore mieux, sans doute. Mais... Bon, en tout cas, il me loupe. Il a l'air de me louper, c'est cool. Wow, on l'a massacré. J'ai des gears, c'est bon, ça. On va pouvoir se faire un frigo. Je me demandais comment on pouvait... En faire, bah nickel. Super sucre, et je connais pas le nom de ces trucs, mais on en a tué, c'est cool. C'est cool. C'est un peu des vaisseaux vikings robotiques. C'était sympa, cool. Non, est-ce qu'on a des... Là-bas, on a une torche. Ok, bon, revenons sur notre destination. Revenons à nos bouteilles. On va aller par en haut pour revenir par en bas à droite. Tout est calculé. Je pourrais utiliser, allez.
Les vagues pour naviguer un petit peu. Allez, soyons fous. Donc on a réparé un peu notre bateau. Hein. Putain, quelque chose par là. C'est vrai qu'il y avait une zone assez intéressante de ce côté. Ramassons un peu de seaweed hein, sur le passage. Vu qu'on a besoin de bouffe. Et le soir s'approche. Par où on va aller? Par là. Réduisons un peu la map. Ça va. Faisons un petit peu le tour de la zone. Hein. Qui sait, il y a peut-être d'autres bouteilles dans le coin. Bah, c'est dommage, j'ai gaspillé mes... Enfin, gaspillé. Les spears. Faudrait que je regarde comment on les fait, déjà. Enfin, déjà, je l'ai utilisé en fait. Bref. Bref. Continuons. Je redoute l'apparition d'une tempête bientôt, mais... Bon. Night is coming, si tu veux. C'est quoi, ça? Wow, pourquoi... Wow, ok. Il y a un volcan. D'accord, je... Ouais, ok. J'ai trouvé un volcan. Décidément, il se passe des trucs intéressants dans cette partie. C'est assez ouf. Je me bats contre un bateau viking, je découvre un volcan qui dézoome mon champ de vision, apparemment. Bon. Je suppose qu'on va aller par là, c'est le bon choix. Enfin, c'est la bonne direction, surtout. Hop, allez, YOLO, c'est parti. Et le jeu n'a absolument pas l'air de laguer, ça c'est excellent. C'est peut-être dû à mon surplus de RAM que j'ai installé récemment sur ordi. Même s'il n'y a pas longtemps, mon PC laguait du coup. Enfin, dans l'épisode près. Il y a un petit moment, dans Isaac, ça laguait. Mais ça, c'est vite réglé apparemment, donc c'est cool. Bon, la nuit va pas tarder à tomber. Je suis pas vraiment fan de cette île. J'ai des torches. Ça devrait être faisable. Cette île est vraiment dangereuse par contre. Un peu de bouffe, c'est bien, il y a des fleurs. Je me poserai bien un petit peu ici. Enfin, juste histoire de bouffer un peu, de ramasser quelques fleurs. Si cette araignée veut bien se barrer, bon tant pis. Dangereux tout ça. Ouais, faut que je récupère de la santé mentale, donc bon. Ah parfait, il y a des fleurs dans le coin. Et il y a même masse de lucioles, c'est cool. Bon. Cette torche ne nous suffira pas pour la nuit, c'est évident. Mais c'est pas vraiment ce que je cherche non plus. Mon bateau est là. Et bah, je sais ce que je fais quand même. Bon. Est-ce que la torche, par contre, la botte torche sera suffisante? Ça, j'en sais rien. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. En tout cas... Le jeu est ultra fluide, ça me fait bien plaisir. Bon. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu aussi fluide, c'est assez dingue. Bon. Un petit peu de bouffe, je peux utiliser ma torche qui a disparu parce que je l'ai laissé équiper sans doute. GG. GG moi. Ça va, j'ai moyen de m'en faire une autre. Je pourrais cramer un arbre. Wow. Bon, le serpent a pas l'air de nous suivre, tant mieux. Enfin, s'il nous suit, mais bon. Il est pas très agressif, disons. Bon. Restons vigilants, je sais qu'il y a des abeilles dans le coin. C'est peut-être pas la meilleure chose de tomber sur des abeilles, là, tout de suite. Cool. Encore un peu de bouffe. Je sais, ce serait mieux de les cuisiner, mais j'ai pas envie de traîner trop longtemps sur cette île. Donc bon. Et la nuit va pas tarder à se barrer. Donc c'est cool. Bon, par contre, c'est vrai que notre santé mentale est vraiment pas terrible là. Bon. Nickel. Déséquipons cette connerie. Je mets la machette à la place, hein, why not. Ah, j'ai laissé la botte torche allumée. Génial, décidément. Je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. De toute manière. Je me pose ce que je raconte, bon. Enfin.
Faudrait en refaire une du coup. Alors, le trésor. On verra bien où il se trouve. Hein. Ça se trouve, c'est encore à côté de nous. C'est arrivé il y a pas si longtemps. Et c'était assez drôle. Suspicious Bubble. Je me demande quel monstre se cache derrière ça. Bon. Peut-être pas le moment de le découvrir. Quoique. C'est jamais. Alors, on y est presque. On y est presque. On y est presque. Comment j'ai pu louper cette bouteille? C'est assez dingue. C'est juste à côté. Bon, il faisait peut-être nuit. J'en sais rien. Bon. Ah oui, carrément. Bon. Drop, ouais, non. Je veux pas la drop, non. Oh, je vais bouffer mes... Yeah. Je vais bouffer mes fleurs. Et que nous indique-t-elle? Un trésor, sans doute, mais où est-il? Au nord. Et nous sommes au sud. Ça va pas être évident d'arriver là. Attends, il est où? Là. D'accord, bon. Ok, c'est moi, il y a un autre trésor de ce côté. Non, c'est moi qui ai des hallucinations, c'est cool. Bon, bah du coup, c'est parti pour le nord, donc allons au sud. Ah, la logique de ce jeu. Bon, je suppose que... Je vais partir par là, pour revenir de ce côté... Essayons d'explorer un petit peu une zone qu'on n'a pas... Bah, qu'on n'a pas explorée, justement. C'est jamais, on pourrait tomber sur des trucs intéressants. Je ferais bien une petite diagonale comme ça vers la... Vers la gauche, donc plutôt par là, en fait. Voilà. Et qu'on ne sait absolument pas ce qu'il y a dans le coin. Des méduses. Je me demande ce qu'elles me donnent, les méduses. Ce serait bien de... Le check. Une zone à marée basse qu'on ne connaît pas. Faisons un petit tour juste pour voir ce qu'il y a. Donc, la bouteille, on débarrasse. Hein. Ouais, drop-moi ça, bah. T'es sérieux là? Merci. Tout ça pour ça. Bon, allez. Quelque chose d'intéressant sur cette île. On va faire un petit tour. Bon, de l'or, on en a suffisamment. C'est encore une forêt, hein. C'est bon, il y en a beaucoup des forêts dans le coin. Pas mal de thunes. Des singes, je sais pas si on en avait eu dans cette partie, donc bon. Je vois pas grand chose d'intéressant. Bon, les Evil Flowers, c'est absolument pas ce qu'il nous faut. Il nous faudrait des flowers normales. On ne veut pas flowy. Enfin, on n'a pas besoin de flowy tout de suite. Certains comprendront la référence, d'autres non. Bref, par contre, j'aimerais bien ouais, me refaire une botte torche si possible. Et j'ai sans doute besoin d'un... Ah bah non. Je peux carrément faire ça avec la torche que j'ai, apparemment. Et ça la charge au max, c'est complètement cheaté. Tant mieux. Écoute, hein, le jeu a des failles. Servons-nous-en. Oui. Régulaire, Jungle Tree. Bien sûr. Très régulier. Fuck you les singes. Est-ce que je peux l'attaquer lui? Non, qui me file des trucs intéressants. Vu... Oh non. Des bananes. Bon, cool. Des bananes. C'est mieux que rien. Bon. Merci pour tes bananes. Et il m'a filé de la bouffe, de la viande. Et j'ai même pas fait gaffe. C'est cool. Hop. A plus. Si j'ai envie de fermer des singes, okay, je peux toujours le faire en fait. Ah, à tes conneries, il revient. Pas que ça faire. Bon, à plus. Il va me balancer des poupes à la gueule, lui, à tous les coups. Ah, l'enfoiré, bon. J'ai autre chose à faire. Bon, si je remonte dans mon bateau, à tous les coups, ça va marcher. Non. Bon bah tant pis, j'ai une mission, récupérer ce trésor, et je vais le faire avant la fin de cette session, donc bon. Encore des coraux, il y en a beaucoup décidément. Hein. Récupère encore un peu de seaweed, va falloir, on va pas tarder à manger un coup, hein, parce que... Bon.
commence à devenir urgent. Il est maintenant 21h. Carrément, on va partir... partir par là, puis par la gauche. Merci, Canadien. Merci, Weed. Encore plein de coraux. Je me demande à quoi ils servent, ces trucs. Faudrait qu'on... Faudrait que j'essaye un jour, quand même. Ouais, la bouffe, ça devient un peu crucial. J'ai des bananes. Nice. Nice, nice, nice. Qu'est-ce qu'il y a par là? Je suis où, moi? Ok, on va aller par en bas. On n'a pas visité ce coin-là. Je pense quoi que... Je pense que je vais aller par là pour... Ouais, non, si je vais par là, je vais revenir à... Oh non, ça devrait être à peu près... Après le bon coin, même si... Bon, bref, on va voir. On va voir, on va voir. Partons de ce côté-là. Voyons si on tombe sur quelque chose d'intéressant. La nuit va être assez longue. Est-ce que j'ai de quoi me faire une autre torche au cas où? Sans doute. Sans doute, sans doute. Oula. Pas le moment. Mon bateau prend cher, mais on peut encore le réparer une fois. Donc bon, ça va. Ça va, ça va. Je vois rien d'intéressant pour l'instant par là. Hein. C'est facile de passer à côté des bouteilles, n'empêche. C'est facile, bon. Alors... Toujours rien. À première vue... C'est un peu une zone déserte, quoi. Enfin, si on peut appeler un océan comme ça. Enfin. Enfin, enfin. En tout cas, on va devoir bientôt se poser pour bouffer. Et on a atteint... Le brouillard. Le fameux brouillard. Non, ça devrait nous mener vers le nord. Bon, sûrement, sinon ce serait bizarre. Mais où au nord? What? Là, je m'attendais pas à arriver de ce côté-là. Ok, bon, c'est bien, on connaît pas trop. Et le trésor est pas très loin, du coup, donc c'est bien. Hein. On a fait un bon choix. Bon, la nuit tombe. Va falloir activer ça. S'il te plaît, merci. Fait peur pendant un moment. Eh bon, on va tracer vers l'île direct, hein, on va pas s'attarder trop longtemps. Et ouais, ma sanité commence vraiment à poser problème. Je pense pas qu'il y ait de fleurs sur cette île, c'est un peu inquiétant. Bon, pour faire des flammes, ça va m'aider. Est-ce que j'ai assez de bois pour faire un grand feu? Ouais, moyen. Et je me souviens pourquoi je voulais garder les fleurs pour faire un truc, mais bon. Bon, 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 pour faire un chapeau, oui. Non, c'est trop tard pour ça. Et je vais faire un feu. Il ne me laisse pas faire un feu. Ah si, c'est bon. Hop, je vais gentiment éteindre ça. Ah, les monstres, ils commencent vraiment à... Voilà, c'est mieux. C'est... Ouais, j'ai pas envie d'enflammer des choses. Hein. M'enflammer moi-même, ça va, je suppose. Apparemment, oui. Apparemment, j'aime m'enflammer tout seul. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bref, c'est le moment de bouffer de la seaweed. Et de faire un plus grand feu, aussi. Voilà, restons dans les flammes. Et mangeons. Eh ah. Hey, oh. Quel troll. Bon. What? J'ai pas de remplacer weed, ça va pas toi. Bon. Ah, parfois les commandes peuvent être assez bizarres. Oh oh. Oh putain. Ok, c'était pas bon ça. On a fait de la merde. Enfin, j'ai fait de la merde apparemment. Pas comment j'ai fait, mais bon. Au secours. Ça va pas me donner de la santé mentale, ça. Des cochons, aidez-moi, pitié. Bon. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Comment j'ai fait pour... Ah. Je me suis retrouvé à court de torches. En plus, j'ai mon feu, bordel, je suis... Oh. Bon. Comment passer d'un... Wow, 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 barrez-vous! Une partie très bien à... Une catastrophe, bon.
Alors, comment je peux récupérer de la santé mentale rapidement? Construire des choses que je n'ai pas encore faites. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Rien, bon. Peut-être trouver le trésor, ça va me redonner de la santé mentale. Je ne sais pas, il est où? Il est par là. Non, je veux pas vraiment de fleurs. Avec un peu de chance, il y a une jungle en de coin, mais bon, j'en doute. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait peut-être me soigner? C'est quoi ça, One Man Band? What the fuck? Apparemment, ça crame tout. Non, attends, c'est quoi ça? Ça me redonne pas de la santé mentale, donc je m'en fous. Les crabes sont maléfiques, c'est bien. Aïe, 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 bon. Alors, on se rapproche du trésor, qui sait? Le trésor contient peut-être la solution à tous nos problèmes. Espérons. Allez. Le coffre contient des choses. Tulsit Club, Tulsit Suit, Tulsit Crown, des doubloons. Je sais que les gemmes peuvent faire des choses, mais je connais pas assez le jeu. Bordel. Comment j'ai perdu mon sac, moi? Pourquoi j'ai drop mon sac? Comment j'ai fait? Bon, bref. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, si je tue ces mecs, ça peut me redonner de la santé mentale, mais c'est un peu dangereux. Un poil. Un poil, un poil. Bon. Du coup, j'ai un équipement qui fait des choses, mais je sais pas quoi. Qui sait, peut-être qu'il me redonne de la santé mentale, on va voir. Bon, j'ai vraiment pas confiance en ces trucs, par contre. Mon feu. Oh, mon feu me redonne de la santé mentale, je ne savais pas. Ok. C'est bon à savoir. Ok, bon. J'ai pas vraiment envie de prendre ça. Mais tout ce que ça fait, cette couronne et tout, ça me redonne clairement pas de la santé mentale. Au contraire, j'ai l'impression, oh putain. Ou alors c'est les ennemis qui... Ah putain. Saloperie. Bon, je crois que j'ai réussi. Ah, il faut clairement que je le tue. Dis-y fait, pourquoi il disparaît? Ok, il y a un petit bug bizarre là. Ah, sérieux, bon. Faut pas que je sois dessus quand il m'attaque. Oh non, non, pas l'autre. L'autre, il va me tuer. Il va me massacrer, lui. Non, 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 non. Surtout pas, non, casse-toi. Casse-toi. Non, on était bien, sérieux. Il a fallu que je fasse n'importe quoi et que j'ai oublié que je suis ce perso. Oh, merde. Non! Pars-toi! Pars-toi! Casse-toi! Va crever! Non! Il n'y avait pas un... Ouh! Je me suis souvenu! Il y avait ça ici. Et on n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin. Ok, eh ben, quel épisode. J'ai pas eu tout où on en est, niveau timing, je vais check ça. 24 minutes, je pense que c'est un beau moment pour arrêter cette vidéo. Donc, ouais, voilà, on est mort, mais... On a pu ressusciter à ce truc, heureusement qu'on l'a retrouvé. Il va falloir qu'on récupère bien sûr tous nos équipements. Pour ça, un petit bateau devrait suffire. C'était chaud, hein, c'était chaud, heureusement qu'on avait ce truc. Voilà, j'ai fait une erreur. Bon, espérons que je m'en souvienne par la suite. Bon, en tout cas, c'était Merlamos pour le 19e épisode de Don't Starve Shipwrecked. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde. Mouah.